Exactement. Bonjour. Comme vous avez pu le voir, il y a énormément du monde au Salon des Arts Ménagers. Il y a beaucoup de nouveautés aussi, notamment des lave-vaisselle, des machines à laver toutes bêtes. Et des très beaux frigos. Voilà. Et il y a énormément de monde et des gens qui attendent pour acheter. Par exemple, tous ces gens-là attendent pour acheter un livre en plus. Parce que non seulement on vend des frigos, mais on vend des livres. Il y a des promotions en ce moment ? En ce moment, il y a des promotions. Mais c'est de l'autre côté. C'est pas nous, on fait pas de promo. Mais il y a des promotions tout au bout. Voilà. Et je m'étais dit que t'achètes pas un jour. C'est quelque chose qui vous a toujours séduit ? Ah ben, j'ai toujours lu, c'est tout. Moi, je pense, je me souviens d'une génération qui n'ont pas eu la télé en étant enfant, donc ils lisaient. Et là, ce que je suis contente, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des livres et qui lisent. Donc, c'est super. Donc, vous avez le sentiment que les réseaux sociaux, Internet, n'a pas tué tout ça ? Non, parce que les réseaux sociaux, ça peut au contraire aider un livre à se faire connaître, un auteur à se faire connaître. Alors, on peut très bien passer du temps sur des jeux vidéo sur sa console, mais le livre, c'est irremplaçable. Pas besoin de pile pour recharger un livre. Qu'est-ce qui vous a influencé justement dans la littérature ? Beaucoup de choses, mais là j'aime beaucoup le fantastique et la SF, voilà, en gros. Donc c'est bien. Non, je vais vous parler du livre. Je vais vous parler du livre de ma copine. Excuse-moi, je préfère. Non, je vais parler de. C'est beaucoup plus drôle de parler de livres qu'on n'a pas écrits. Hein, sans déconner. Par exemple, La Chasseuse d'âme, moi je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Et ça doit être super parce que c'est des aventures. C'est l'aventure d'une jeune femme qui est douée de pouvoir, j'imagine. C'est une jeune femme qui est en réalité une messagère de la mort. Voilà, messagère de la mort. Donc ça va être super. Hein, mais il y a eu une série comme ça. Tu l'avais vu cette série ? Voilà. Alors ça c'est très différent. Mais... Voilà, il y a une série. Là, je te passe les micros. Oh bah non, attends. Justement, j'ai lu le livre de Josiane. Je me suis précipitée dessus. J'ai lu ces nouvelles sont extraordinaires. Moi qui adore le fantastique et qui suis une auteure dite de fantastique, pure fantastique, je peux vous dire une chose, c'est qu'elles sont incroyables. J'ai été captivée. Cassandra O'Donnell. Alors ça a l'air anglo-saxon comme ça, mais c'est du pur produit français. En France aussi, on fait très bien. Elle le fait très bien. Merci beaucoup. Alors Josiane, je vais vous dire, je n'ai pas lâché. C'est simple, j'ai commencé, je n'ai pas reposé ce livre. Donc voilà, je dois dire que, enfin pour moi, lisez-le, c'est extraordinaire. C'est de la belle littérature en plus, c'est magnifique. Voilà, c'est...